des squats, exercice de base en musculation, le plus simple, le plus classique et sûrement le plus efficace pour renforcer les cuisses et les fessiers. Donc on peut commencer par descendre un tout petit peu, comme on le voit à l'écran, ou un peu plus. On va faire les deux tiers du mouvement, on va descendre à 60 degrés. Alors ça peut être intéressant pour les gens notamment qui ont des douleurs de genoux, pas trop forcer, pas trop descendre au début, vous habituer. Ensuite, on peut aller jusqu'à l'angle droit. Vous vous rappelez que pour la méthode 3 du coin forme, l'objectif sera pour les femmes de réussir à faire 30 mouvements. Donc commencez par tenter des squats à angle droit. Alors pour les hommes, il faudra réussir à faire 20 mouvements, mais un mouvement bien sûr plus dur, un mouvement de squat plus costaud. Vous pourrez mettre notamment du poids en plus en portant un pack d'eau, ce qui représente 9 kilos. Attention aux douleurs de hanche. Alors, les squats à un pied, c'est bien sûr plus compliqué, il y a deux fois plus de charge sur la jambe. Au début, commencez par des petits mouvements, comme à l'écran. Vous pouvez ensuite descendre un petit peu plus bas, comme on va le voir, en allant jusqu'à l'angle droit si possible. Bien sûr, faites vraiment attention de ne pas ressentir de douleur au niveau des genoux, ou sinon il faudra y aller vraiment progressivement et petit à petit. Alors les erreurs à éviter sur les squats. Alors l'erreur la plus connue des coachs sportifs, c'est d'avancer trop les genoux. Gardez plutôt les genoux au-dessus des pieds et reculez pendant le mouvement pour bien travailler cuisses et fessiers. Une deuxième erreur, qui est sûrement la plus importante, c'est la position du dos, comme je le montre. Voilà, essayez de garder le dos bien droit, légèrement cambré à la limite en bas, mais surtout pas arrondi. Et ce seront du coup vos cuisses et vos fessiers qui travailleront et pas votre dos qui s'abîmera. Troisième erreur fréquente, avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Voilà, Patrice l'a bien montré, gardez les genoux dans l'axe, vous éviterez notamment les entorses de genoux pendant votre sport. On passe aux variantes de squat. Alors la plus simple, les sauts, les squats sautés, les impulsions, les flexions, extensions, c'est le même mot pour la même chose, c'est tout simple. Vous travaillez bien sûr plus puisque vous mettez plus de puissance. C'est faisable pour hommes et pour femmes. Donc ça correspond au deuxième mois de la méthode 3 du coin forme. Une autre variante un peu plus costaud pour le troisième mois de notre méthode 3, c'est de tenir une position de chaise et d'enchaîner ensuite des impulsions, revenir en chaise, réenchaîner des impulsions. Donc pour savoir combien de temps le faire, combien de temps rester en bas, ou pour toutes les autres questions que vous pouvez avoir sur les squats, n'hésitez pas à consulter notre article plus détaillé sur lecoinforme.com.